On vit quand même dans une société où on a des gens démoniaques, Oui. particulièrement un qui s'appelle Damon d'ailleurs, Lindelof. Cet homme, enfin, ou cette créature venue de je ne sais où, est arrivé sur un projet en 2003-2004 qui devait être un simple truc dont personne ne voulait trop parce qu'en fait on avait viré, si je me souviens bien, le créateur de base. Oui. On avait juste une île. L'idée de se dire, oh, il y a eu un film avec Tom Hanks sur une île, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Il y aurait peut-être un petit avion qui se crasherait. On essaye, ça marche pas. On fait appel à Gigi Abrams, qui, à ce moment-là, si je me rappelle bien, travaillait sur Alias et qui, lui, a toujours besoin d'une magic box et se dit, bah, on mettrait bien une trappe quelque part. Ça serait assez sympa. Alors, ça aurait pu donner un projet, un des nombreux projets. ABC, où on serait un peu embêté parce qu'il serait passé pas grand-chose. Et puis, heureusement, des puissances occultes ont envoyé un démon du nom de Lindelof. Et ça a particulièrement attiré ton attention, puisque je sais que tu as écrit énormément de choses après la fin de la série. Tu as trouvé une connexion avec quelque chose qui nous intéresse tous les deux, qui s'appelle la gnose. Ah, y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, un questionnement que s'est posé Dick, Philippe K. Dick, qui a eu cette expérience, cette anamnèse gnostique en 1974. Pendant 2 mois, il avait une voix qui parlait dans sa tête, et ensuite il a mis toutes les années qui ont suivi à essayer d'analyser ce qui lui était arrivé et en quoi ça se reconnectait avec tout ce qu'il avait parcouru en tant que romancier de science-fiction. Et c'est évident, quand on lit même les tout premiers romans de science-fiction de Philip K. Dick, qu'il y a une connexion qui est indubitable en termes non seulement des thématiques ou des idées clés, mais surtout la façon dont soudain apparaît nettement que un des pans de la science-fiction qui est la dystopie recoupe la vision de ce qu'on a appelé les gnostiques, à savoir la vision d'un monde comme une prison. Un monde comme une prison remplie de flics qui, chez les gnostiques, sont les anges, les archontes, et avec une sorte de mauvais démiurge, mais qui fonctionne aussi comme un dictateur d'un état totalitaire. Et Dick, se demandant comment ça se fait qu'il ait reçu ça, analyse à partir d'un article écrit par Stanislas Lem, l'auteur de Solaris, qui parle de Dick et qui dit que Dick est allé chercher des pierres précieuses dans ce que les autres écrivains considèrent comme la poubelle. Et la poubelle, à ce moment-là, c'est les pulps, c'est les petits comics, enfin, c'est pas des comics, c'est des livres des magazines de SF, mais qui fonctionnent comme des fanzines, quoi. Enfin, des journaux vraiment à bas prix, où on a ces petits récits qui sont supposés concerner essentiellement les adolescents. Et Dick dit, ben voilà, en fait, si la divinité avait un message à passer, elle ne le passerait pas à travers les grandes œuvres qui font la fierté de l'humanité, etc., mais au contraire dans des petites œuvres par la bande. Et qui, en fait, là où je nuancerais la vision de Dick, c'est qu'en même temps, ces petites œuvres, c'est celles que tout le monde lit. Il y a des grandes œuvres qui font la fierté de l'humanité, mais qui ne concernent finalement personne, que tout le monde admire, mais que personne ne prend en compte. Je crois que c'est Hemingway qui disait c'est des œuvres que tout le monde connaît, que personne ne lit. Le fait que finalement les pulps, ce soit quelque chose que personne connaît, mais que tout le monde lit, amène l'idée que si la divinité a à s'exprimer pour les hommes, elle va s'exprimer là et pas dans ce qui fait leur objet d'admiration. Et donc ça explique aussi pourquoi la série télévisée, et spécialement la série de Network, c'est-à-dire la forme la moins auteuriste de la série télévisée, est un lieu où il se passe des choses qui sont proprement miraculeuses. ABC, c'est la chaîne où il y avait déjà eu Twin Peaks, première version. C'est dans des chaînes de networks qu'il y a eu une série comme Buffy, une série comme Angel, finalement des très grandes séries. Alors aujourd'hui, où on admire les séries, où on aime les séries, on a tendance à penser que tout s'est joué chez HBO et dans un univers qui est un univers déjà adulte. Mais peut-être que les choses les plus surprenantes, les plus renversantes en termes de narration et propositions non seulement fictionnelles, mais aussi métaphysiques, se sont jouées dans des séries qui avaient l'air a priori beaucoup plus modestes. Ce qui s'est passé avec Lost, le thème de l'île mystérieuse, il se trouve qu'il renvoie à une image archétype qui traverse beaucoup, beaucoup de traditions différentes, beaucoup de traditions religieuses, traditions spirituelles. On en voit un exemple dans l'île des 4 maîtres du taoïsme, qui est évoqué par Chuang Tzu. On retrouve évidemment une figure clé qui semble complètement informer la personnalité de Jacob, qui est le Manu, ou le Manu dans la pensée indienne. Et il y a bien sûr dans le soufisme l'image de l'île verte,
l'île où réside l'imam. L'imam caché sur un lieu qui s'appelle l'île verte, il n'a qu'un représentant sur le reste de la planète qui est l'homme vert. Mais un poète persan fondamental qui est Farid Nidatar a écrit le texte Le langage des oiseaux. On a dedans un oiseau qui est l'oiseau simorgue qui était déjà présent dans le zoroastrisme. L'histoire de le langage des oiseaux semble, comment dire, c'est comme si Lost avait retrouvé par un chemin extrêmement complexe et probablement qu'à moitié conscient, plus guidé par des signes, par des images, par une logique aussi, par un rapport au monde, le récit du langage des oiseaux, de la conférence des oiseaux. Le monde est dans un état de chaos. Les oiseaux se réunissent et disent « il faut qu'on aille demander au gouverneur du monde pourquoi le monde est dans cet état ?» Mais d'abord, où se trouve-t-il? Comment pouvoir l'atteindre? Il y a un oiseau qui passe par-dessus le pays où il se retrouve, qui est une huppe. Elle laisse tomber une plume, mais qui est une plume de l'oiseau simorgue. Ils ont le signe que l'oiseau simorgue existe, et donc ils partent à sa recherche. Les oiseaux partent, et sur leur voyage, la plupart meurent. Il en reste vraiment un dixième des centaines et des centaines d'oiseaux qui étaient partis une fois qu'ils arrivent sur l'île où réside le simorgue, et là ils passent par 7 vallées successives où les oiseaux restants meurent les uns après les autres. Et à la fin, il n'en reste que 30. Ils montent une gigantesque montagne, qui est la montagne de Kouaf. Montagne de Kouaf dans le zoroastrisme et dans l'islam mystique. C'est une montagne qui se réside à la frontière du monde. Donc, un côté, on est dans ce monde, de l'autre, on est dans le monde imaginal, dans le monde des formes en suspens. Et une fois qu'ils sont arrivés tout en haut, une espèce d'oiseau chambellan qui ouvre des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de rideaux, et là on arrive à la fin du livre, en fait les oiseaux se rendent compte que les simorgues c'est eux. Une fois qu'ils sont passés par ces derniers rideaux, il n'y a plus de différence entre eux et le simorgue qu'ils attendaient. Dans Lost, on a un récit qui est cousin, dans le sens où si on le relit depuis la fin de la série, fin qui n'était pas forcément prévue au départ, mais ce à quoi on a abouti. On a abouti à l'idée qu'il y a une île. Cette île, elle appartient et n'appartient pas à ce monde. Elle est à la frontière entre ce monde réel et un monde imaginal ou un monde des formes en suspens. En tout cas, il est introuvable dans ce monde à part à des moments extrêmement hasardeux, spécifiques, très rares. Et sur cette île, il y a très longtemps est arrivée une femme romaine, peut-être judéo-romaine, Claudia, qui a été recueillie par une femme qu'on ne connaîtra jamais sous le nom de Mère. Elle a donné naissance à 2 enfants, elle a eu le temps de nommer que le premier, Jacob, avant que Mère la tue. Une fois que Claudia est morte, Mère s'occupe des 2 enfants, Jacob et son frère. Moi, j'appelle l'homme sans nom, que des gens appellent aussi l'homme en noir, mais je trouve que l'homme en noir, c'est réducteur, parce qu'en effet, il est habillé en noir à ce moment-là, parce que ça évoque le noir et le blanc, les pièces d'un jeu. Mais en réalité, il apparaît sous plein de formes différentes, et quand il prend le corps de Locke, il n'est pas en noir, donc bon. Par contre, on ne saura jamais son nom. Donc, l'homme sans nom. Donc, Jacob et l'homme sans nom sont sur cette île. Et Jacob, en fait, le long du temps où il va garder cette île, il protège une lumière, qui est une lumière inattendue d'eau. Et il y a une espèce de bouchon qui retient cette lumière. De cette lumière, on dit que c'est la lumière, cette lumière c'est la spiritualité, tout homme en a une partie en lui, mais lorsqu'il en veut trop, il peut devenir agressif, méchant, jaloux, égoïste, orgueilleux, etc. etc. Donc il faut veiller à, grosso modo, à une sorte de filtrage de cette lumière. En Inde, c'est les règles du Manu, quoi. C'est comme un filtrage de la lumière divine et c'est ce qui permet au cycle de manifestation de passer de son commencement à sa fin. Dans Lost, il va passer de son commencement à sa fin sous le règne de Jacob, alors que 108 différentes personnes arriveront à un moment ou à un autre sur l'île et ils sont tous potentiellement, possiblement des candidats, même si lui, il a choisi 6 candidats. Il y aura 6 candidats, 6 noms, hein, qui correspond à 2 personnes. Reyes, Shepard, Ford, Quan, Jara et Locke. Et la personne qui finalement deviendra le nouveau Jacob ou le nouveau Manu, c'est Hurley. Et Hurley est celui qui ressemble le plus au spectateur. C'est celui qui est le plus conçu comme une espèce de représentant de la psyché du spectateur un peu geek qui pourrait regarder cette série. C'est celui qui est le plus spectateur-friendly. C'est un peu le préféré d'ailleurs du public. C'est le seul personnage, en tout cas, qui n'est pas de spectateur de Lost qui ne l'aime pas. Oui, il n'est pas antipathique. Il n'est pas antipathique. Tous les autres, le spectateur est dans un état d'oscillation et de variation. Il peut détester Jack parce que Jack ne fait pas avancer le récit et à un moment, Jack l'émeut énormément.
Il peut adorer Sawyer parce que Sawyer est moqueur, drôle, etc. Et à un moment, Sawyer a un geste un peu trop violent ou un peu trop égoïste et qui fait que le spectateur il se retire. Il peut adorer Locke parce que Locke est un mystique qui suit les signes, etc. Il y a un moment où Locke fait un acte parfaitement injuste, parfaitement gratuit, complètement illégitime et qu'il ne revendique que de sa. Enfin, comment dire, qu'il justifie par sa foi. Et. On quitte Locke. Il peut être extrêmement ému par Saïd, etc., ou par les Quan, mais pareil, il aura des dissociations. Hurley, il est stable par rapport à Lost. D'où le nom d'un épisode, tout le monde aime Hurley. Tout le monde aime Hurley, oui, absolument, c'est ça. Tout le monde aime Hurley, et c'est difficile de faire autrement. Lui, sa seule crainte, c'est qu'on puisse ne pas l'aimer. Oui, en plus. Et en tant que tel, de toute façon, il y a un truc extrêmement sensible dans ce personnage. Mais ce qui est beau, ce qui est complexe, et c'est ce qui fait tout. Le côté malicieux de Damon Lindelof et qui fait qu'il est un petit démon quand même malgré tout, c'est que Hurley va être secondé par Ben, c'est-à-dire par le personnage, l'adversaire principal du récit, que bien sûr on a vu être humain des tonnes et des tonnes de fois, et courageux, etc., mais qui a fait les plus grosses conneries et qui est à la source de la mort de Jacob de toute façon, par sa jalousie, son manque de confiance en lui, son orgueil, etc., etc. Donc la team, c'est Hurley plus Ben. Ça, c'est très très intéressant. C'est une idée géniale. C'est une manière aussi de penser le récit. Jacob est impensable sans son frère. Qui va créer l'espèce de faille à l'intérieur de sa tapisserie qui fait qu'il pourra être tué et qu'on pourra passer un cycle suivant. C'est intégrer de toute façon le principe de la destruction du cycle à l'intérieur de la création du cycle. Et ça, c'est important par rapport à une série. Et c'est pour ça aussi que Lost se finit vraiment, dans le sens où il a accompli ou abouti une espèce de, on va dire, de perfection dans sa propre réflexion sur lui-même. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par la fin de Lost. C'est la vie. Tout le monde ne peut pas aimer tout, malheureusement. Mais pour ceux qui ont aimé Lost, c'est très difficile de voir ce qui pourrait être fait de plus accompli en termes de récits sacrés au sein d'une série. C'est une série incroyablement riche de par justement la très bonne idée d'avoir dit on n'a pas un personnage principal, on a une tonne de personnages, on est confronté à leurs problématiques, à leur solitude justement, et on suit leur trajectoire. Il y a une intelligence incroyable au niveau du scénario avec le jeu sur les flashbacks qui après deviennent des flash-forwards. Et ça, c'est excellent. Et aussi, ce désir du spectateur, à un moment, il faut absolument qu'il quitte l'île. Et une fois qu'ils ont quitté l'île en question, et quand Jack dit We have to go back, et que bah oui, il faut absolument qu'il se retrouve. Et en fait, là où on attend une retrouvaille, il y a encore ce jeu temporel qui va faire en fait que les retrouvailles vont être beaucoup plus complexes. Il y a une intelligence créative à chaque fois. On va faire une nouvelle saison, mais on va prendre un angle différent. Et jusqu'à cette sixième saison, avec ces deux mondes qui sont là clairement. Et évidemment, à la fin, on se prend une volée de bois vert lorsqu'on est le créateur, parce que chacun s'est imaginé quelque chose, et de toute façon, ça ne correspondra pas à ce que les gens attendent. C'est ce qui est arrivé à Patrick McGowan avec Le Prisonnier. Absolument. Ça a été exactement la C'est même chose. vrai, c'est Là, on vrai. avait aussi l'idée, le monde est une prison, Oui. et à la fin, la réponse, et quand on demandait à McGowan plus tard, c'était, mais questionnez-vous vous-même. Oui. C'est ce que dit le numéro 6, Ouais. questionnez-vous. Et c'est tout. Et là, on voulait une confrontation entre le gentil et le méchant. Et en fait, la confrontation finale entre, d'un côté, l'homme sans nom et Jack, c'est pas le final du tout de la série. Et en plus de ça, Damon a l'idée de mettre un Desmond. D'un côté, on a en effet Hurley qui est là en tant que spectateur, Ouais. et de l'autre côté, Desmond est une sorte de réalisateur. Il sait des choses que nous, Oui. on ne sait pas. L'apport de Desmond dans la série est quelque chose de fabuleux, parce que Incroyable. c'est... Desmond, c'est comme s'il arrivait par surcroît. Alors là, c'est vraiment comme s'il y avait un élément qui était un wild element qui a été rajouté à la recette. Quand il apparaît dans la saison 2, vraiment le moment clé, c'est de le voir revenir sur l'île, incapable de quitter l'île. Et là, d'un coup, on bascule et on a des flashbacks sur lui. Et c'est les premiers flashbacks, je crois, qui commencent à relier le monde des flashbacks avec le monde présent. C'est-à-dire que Desmond est un personnage dont l'existence passée, il est déjà impliqué dans l'histoire de l'île. Les autres personnages, ça leur arrivera aussi. Mais là, on voit, c'est l'arrivée de Charles Widmore. Donc c'est ces arrivées de récits-là qui viennent. Sauf que Desmond, lui, refuse le récit principal.
à la différence des autres personnages qui vont tous se plier à ce récit principal d'une façon ou d'une autre, Desmond va rester complètement, il va garder sa ligne, il va garder sa ligne, il va être informé dans sa chair de toutes les formes que vont prendre le récit, c'est-à-dire qu'il vivra, grosso modo, les flash-forward avant tout le monde, puis il vivra les voyages dans le temps avant tout le monde, puis il sera le premier dans l'autre monde à avoir son anamnèse et à comprendre de quoi il est question. À ce moment-là, même, on a une séparation complète de Desmond, qui, dans le récit réel, dans le récit présent, comprend rien, plus rien, alors qu'avant il comprenait vaguement des trucs, mais là il comprend plus rien. Et il est persuadé que ce qu'il vit est pas réel, etc. Et là c'est Jack qui lui fait la leçon, ce qui est complètement inouï. C'est fabuleux le renversement où Desmond il dit mais ça n'a aucune importance, on peut mourir, etc. De toute façon on revit et tout, et Jack il fait non, j'ai vécu cette espèce de truc. Tout ce qu'on vit est réel. Ne crois pas, tout ce qu'on vit est réel, tout ce qu'on vit compte. Et l'autre, le Desmond du monde subtil, qui lui a le premier son anamnèse, amène tous les personnages à son anamnèse. C'est-à-dire qu'il prend le relais en même temps du guide de ce monde. Il est le guide de ce monde dans la fiction. Mais parce qu'il est le guide de ce monde dans l'amour. C'est-à-dire que Desmond, c'est le repère amoureux pour tous les autres personnages. C'est le seul amour absolument intégralement pur et non douteux, l'amour de Desmond et de Penny. C'est l'amour parfait. Aucun des autres personnages n'a ce truc-là. Oui, non, mais ils sont tous des trucs complètement cassés. Ils sont tous des solitaires. On peut dire que Desmond n'est pas un solitaire. Non. C'est celui qui a vécu le moins avec sa copine de tous. Parce que 10 ans en absence, etc. Le côté Ulysse. C'est Ulysse, absolument. C'est un récit à la Ulysse. Mais par contre, ce qu'on ne peut absolument pas douter, c'est la persistance là-dedans de leur sentiment amoureux mutuel, qui est un truc qui est incassable, qui sert de repère finalement pour tous les autres. C'est-à-dire que tous les autres ont un peu de Desmond en eux, et seul le passage en autre monde leur permet de réaliser cette partie-là. C'est-à-dire que par contre, autant dans ce monde-ci, ils vont finir solitaires, autant dans l'autre, ils sont tous en couple, ou en syzygie. C'est-à-dire qu'ils retrouvent tous leur autre moitié, leur âme sœur, Jack avec Kate, Sawyer avec Juliette, etc., etc. Mais parce qu'à ce moment-là, c'est Desmond qui est le maître du jeu. Disons que c'est son récit qui finit par informer tous les autres récits. Et c'est lui qui va devenir le maître des anamnèses. C'est lui qui, le premier, lors de sa première rencontre avec Jack, lui dit « See you in another life » au hasard. Il sort totalement des normes, mais en fait, lui, il ne porte pas de fardeau comme les autres. C'est vraiment le personnage qui est là. C'est une sorte d'archive akashique de tout ce qu'il y a sur cette île. Il est connecté avec le passé, le présent, le futur. Cette petite correction temporelle à chaque fois avec Charlie, c'est toujours fait de manière très fine, avec un tout petit peu d'humour. Ce personnage, en plus, il y a un charisme incroyable de l'acteur qui a une présence. Et avec chacun des personnages, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Oui, c'est vrai qu'il réussit à créer un truc de relation avec chaque personnage. Il arrive à... Il crée des binômes avec tous. Bon, tous les personnages ont des systèmes de binômes. Hein. Jack est en binôme à la fois avec Sawyer, avec Locke, avec Desmond, avec Ben. Kate est en binôme avec Jack, avec Sawyer, avec Juliette, avec Sun, avec Claire. Chaque personnage, elle crée aussi un binôme avec Cassidy. Ils font tous ce petit truc de créer des relations à deux. Oui, parce qu'ils en ont besoin aussi. Ils en ont besoin. Parce qu'il y a cette incroyable solitude, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui leur répond en miroir, qui est super important. Et ça marche pour tout le monde, même pour Sawyer qui se veut dormir. Mais moi, j'ai besoin de personne. Ouais. c'est vachement intéressant, ça. La façon dont on brise la solitude de Sawyer, dont on lui démontre qu'il n'est pas seul, qu'il ne le sera jamais, qu'il ne pourra jamais l'être. Oui. Tu te trouves qu'on retrouve avec le super nom génial de La Fleur, en plus. Voilà. Et il y a cette opposition, justement, entre cet amour, entre guillemets, béni de Desmond, et à côté, le couple maudit, que sont les deux Coréens, qui sont dans cette sorte d'amour impossible, avec tout ce qu'il y a derrière, et qui, malgré tout, tiennent. Ils font qu'un, en fait. Ouais. Eux, c'est plus énorme, en fait. Ils font qu'un. C'est complètement fusionnel. Ouais, oui. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Kwon. Il y a un Kwon et ils meurent ensemble. Oui, avec une mort fusionnelle aussi. Une mort fusionnelle. Ils meurent ensemble. Eux, ils démarrent comme un couple cabossé et ils arrivent à trouver leur signification dans une fusion unitive complète. Ce qui est un peu différent du cas de Desmond et Penelope, qui sont sur une forme finalement plus classique d'amour. À moins qu'on puisse dire que d'un côté on a un amour qui renvoie à l'Odyssée et Ulysse, et de l'autre quelque chose qui serait plus proche carrément l'idée de l'androgyne platonicien ou quelque chose comme ça pour Savagine.
spectateur qui regardait Lost et allait au bout de Lost sait qu'au bout de Lost, ce que ça signifie, c'est un changement complet de perspective. Et c'est ça qu'il n'a pas forcément envie de faire. Peut-être que la manière qu'il a de ne pas faire ce saut, cette leap of faith dont parlent les personnages, même changer de perspective, c'est un mot que dit Ben à Jack. Jack dit qu'est-ce que tu veux, il dit je veux que tu changes de perspective. Toute cette question-là, leap of faith, changement de perspective, regarder les choses à nouveau, ces questions sont extrêmement présentes dans Lost. Et quand on arrive à la fin, on n'a pas vraiment d'autre choix. Ou on décide que c'est là-dessus qu'on doit partir, ou alors on peut dire, en tant que récit, ça m'a déçu parce que finalement, ça s'est terminé sous un mode mystique. Souvent, j'ai même entendu à la fin, l'espèce de fin, bon Dieu zarde, merci bien, etc. Tout ça parce que c'est une église, même si c'est une sorte d'église œcuménique. Sauf qu'il faut regarder les symboles dans Oui, les l'église, symboles ils ne sont pas sont des très symboles de toutes les religions, bon, mais même, ça reste cette image-là qui est apparue comme dérangeante, parce que, de toute façon, ça voulait dire que la sixième saison devait être entièrement comprise sur un plan double, quoi, sur un plan de récit, et c'est vrai que sur un plan de récit, la sixième saison est un peu plus confus et chaotique. L'explication aussi est que le chef du récit, Jacob, meurt, quoi. Donc du coup, tout ce qui reste pendant une saison entière, c'est qu'il reste une espèce de destruction progressive de tous les items de ce cycle de manifestation. Donc on détruit le temple, on détruit le bateau, on détruit le sous-marin, on détruit... on doit... Oui, et puis petit à petit, on détruit l'île aussi On qui détruit l'île aussi. Donc il y a un truc où, grosso modo, on en finit avec le On est en récit. train de démonter le décor, Exactement. morceau par Il y morceau. a un côté comme ça, on démonte le Et décor. puis, ça ramène aussi le spectateur à quelque chose auquel il ne veut pas être confronté, parce que mine de rien, on a suivi ces personnages pendant plus d'une centaine d'épisodes. Il Ouais. va falloir faire le deuil Ah, ça c'est de terrible. ça. Ouais, Et terrible. donc, c'est quelque chose de très difficile. Surtout que la série ramène énormément à ça, puisque tout part d'un cercueil au départ, Ouais. et se finit par Ouais. ce cercueil, et par l'ouverture et la fermeture d'un œil. La question, oui, du deuil, de l'absence, de la présence, est vraiment au centre du récit. Et que je pense que là, en effet, mais pour ça, la semaine prochaine, ils ne vont plus être là. Mais attendez, ils vont nous faire un reboot, ils vont nous faire quelque chose, il va y avoir un Ce qui est spin-off. le plus extraordinaire, c'est que je crois que Lost, par rapport à des séries populaires, des séries de type ABC, ça doit être une de celles où le plus grand nombre de personnages principaux sont morts. Oui. Alors que c'est une série, on va dire, grand public, tout public, la mort est omniprésente. Il n'en reste quasiment aucun à la fin, il en Non, reste il une en très peu, poignée. oui, c'est très peu. Et pour autant, on ne peut pas dire que ce soit une fin triste. C'est-à-dire que c'est une série où on apprend le plus au spectateur à accepter la mort. C'est un truc aussi, bon, finalement, assez rare et pas si évident. Peut-être qu'un des éléments qui est le plus compliqué par rapport à l'approche de Lost, c'est le spectateur est-il prêt à lâcher ce scandale qu'est la mort, à lâcher l'idée que la mort soit un truc totalement scandaleux. Et dans l'un des derniers épisodes, Locke, dans l'univers parallèle, dit à Jacques, j'espère que quelqu'un fera pour vous ce que vous venez de faire pour moi. Oui, Lorsque justement, il a ce retour de mémoire et cette connexion. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et la retrouvaille de chacun des couples. Parce qu'il y avait quand même une logique assez fabuleuse. C'était à chaque fois que deux personnes commençaient à s'embrasser, on était sûr qu'il y en a une des deux qui Ah allait oui, flinguer très ouais. vite. Et en fait, les deux ou trois derniers épisodes sont justement les retrouvailles de chacun de ces couples, mais avec une sérénité qui est là. Et de voir justement, d'avoir vu l'enfer de Saïd dans la dernière saison, qui a perdu totalement ses repères, qui a perdu tout, et de se dire, mais bon sang, et là, la retrouvaille à la fin, justement, autour de cette baston, il a retrouvé ce qu'il cherchait, et pas ce qu'il pensait chercher, puisque son amour, il pense l'avoir perdu. Dans la forme, dans la personne de Nadia. Voilà, Mais et en réalité, on se rend compte que c'est pas Nadia du tout, c'est Shannon. oui. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi, c'est vachement intéressant. Parce qu'une des, une des malédictions de Saïd est de croire que son amour est de toute façon perdu. Son amour est de toute façon Nadia et c'est de toute façon un amour perdu. Et c'est ça qui est son pôle de désorientation le plus grand. Ouais. Y a un autre mystère qui restera, c'est Oui. qu'est-ce qui passait dans la tête de l'acteur qui jouait Monsieur Echo Pour qu'ils partent. pour qu'il parte et qu'on ne le voit même pas. Ils supportaient pas le climat. Ouais, je sais bien, mais ce personnage Extraordinaire. était extraordinaire et le duo lui et Locke, Était fabuleux. avec son apôtre qui construisait son église, Oui, Charlie, Charlie. c'était.
Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et d'un côté, en plus, il y avait chez Eco ce côté chrétien, oui. Église, et oui. Le côté Locke, le côté chamanique, justement. Et c'était, oui. C'était très intéressant de cette rencontre entre d'un côté le chamanisme, oui. Et de l'autre côté, voilà, le Dieu unique qui est là, et ouais. je vais créer. Ouais. Pour Dieu, je suis arrivé sur une île, il faut absolument que je foute mon église. Voilà. Mais tu n'es pas prêtre à l'origine. Tu n'es pas prêtre. Oui, mais il a eu prêtre, c'est pas grave. C'est assez intéressant parce qu'il y avait l'opposition entre le côté rationnel de Jack et le côté oui. mystique. Oui. Et après, là, on trouvait une subdivision en mysticisme. Voilà, il y avait aussi ça. D'un côté, une vision beaucoup plus animique, chamanique. Oui. Et de l'autre côté, une vision régie avec un ordre. Et c'est super intéressant de voir tout ça. Et... Carrément. Et le moment où Locke se met à douter, un moment absolument fabuleux, où soudain, voilà, il perd de foi et Monsieur Eco qui veut qu'il garde la foi. Mmh. La façon dont même dans la saison 3, leurs derniers échanges sont savoureux, quoi. Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Un morceau de moi est mort avec Monsieur Eco. Piece of me died with Mr. Eco. Je faisais partie de ce groupe. C'était pendant que la série était diffusée. Il y avait vraiment des personnes qui ne se remettaient pas, qui ne supportaient pas l'idée qu'on ne revoie pas Monsieur Eco. Ils ont essayé de le faire revenir dans la sixième saison. Oui. Il a refusé, mais jusqu'au bout. Les récits dépendent aussi des gens qui veulent bien les jouer. Et l'importance de l'absence de l'acteur de Monsieur Eco ou de l'acteur du Sheriff Truman dans Twin Peaks sont considérables. Je ne veux pas faire les Cassandres hein, parce que je suis contre les prophètes du pessimisme et tout ça. J'ai du mal à croire qu'une autre série réussira à refaire ça. Mais le problème, en fait, vient de l'institutionnalisation. Enfin, comment dire, à partir du moment où un médium devient l'objet d'un grand respect, il perd aussi une part de sa liberté et une part aussi de sa grâce. Je dirais que The Leftovers, saison 3, c'est un peu le moment où Lindelof médite sur l'impossibilité pour lui de réaliser un récit sacré. Le grand récit apocalyptico-gnostique de The Leftovers est impossible. Qu'est-ce qui le rend impossible? Il avait réussi à faire un Book of Jacob avec, avec Lost. Et Leftovers, c'est un peu comme si le moment mystique des créateurs de séries était juste derrière lui. Ils sont juste passés à côté. Il disait exactement l'inverse au tout début du moment de la saison 3, c'est-à-dire qu'il avait donné une interview où il disait « On est peut-être à un moment magique de la création de série, on voit avec Fargo qu'il fait des choses extraordinaires, Twin Peaks va revenir », et il comparait ce moment-là au moment de créativité qu'il y avait dans les années 60 pour la pop musique. Il disait « c'est comme ces années où d'un coup, on peut avoir coup sur coup un grand disque des Beach Boys, un grand disque des Beatles, un grand disque, etc. » Il disait « C'est pour ça que j'annonce un peu la saison 3 avec cette chanson des Beach Boys, Don't Worry Baby et tout. » Mais ça, je dirais, c'est le souhait de Lindelof, plus que ce que sa série montre. Lindelof était dans le souhait qu'on rentre dans la grande période des séries, mais la saison 3 de Leftovers a quelque chose de très désenchanté par rapport à ça. Et pour moi, elle me fait moins penser à Pet Sounds qu'au Plastic Ono Band de John Lennon. Il y a un truc où on revoit ses ambitions à la baisse. Oui. C'est sublime. Hein. J'ai été bouleversé par cette saison 3 de The Leftovers. Mais un peu comme j'étais bouleversé par la carrière solo de John Lennon, sachant qu'elle suit le moment où on pense que tout va pouvoir se réaliser dans le monde et qu'il y a un moment où on dit non, le grand truc, lui-même, ça ne va pas se passer comme ça. Ça reste... Malgré tout, les effets qui ont commencé à avoir lieu, on sent qu'ils sont déjà en train de se dissiper, que quelque chose a repris la main. C'est peut-être le problème, je dirais, de la HBO-isation des séries. Oui. Et du fait que tout d'un coup, on s'est dit, mais au fait, avant les séries, c'était justement, on était dans le pulp, c'était un art mineur. Oui. Et là, tout d'un coup, il y a eu cet art. Voilà, les séries, c'est devenu un art. Oui. On avait le cinéma, mais là, il y a quelque chose. Et on a justement le milieu du cinéma qui vient là. Oui. Et mince, comme ça devient finalement un support sérieux et qu'on se met à calculer des choses et à faire même des séries quelquefois beaucoup plus courtes pour arriver à quelque chose de très carré avec des gros budgets, des machins. Grand cinéaste, tout ça. Et que là, attention, là, vous n'êtes plus dans la déconnade, vous n'êtes plus dans la détente, vous êtes dans une œuvre sérieuse. Complètement. Et bien déjà, l'attitude n'est pas la même. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est un gros souci. On sent qu'ils sont obligés de changer leur fusil d'épaule à Hollywood. Le cinéma, on a vu, ça fait maintenant, quoi, c'est une dégringolade successive. Mmh. Chaque année,
années, il y a moins de films intéressants. Je veux dire, c'est pas un secret. Non, non, c'est vraiment pas. J'ai pas l'impression de révéler le dernier truc, quoi. Autant pendant longtemps, on avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à gérer cette espèce de chien fou qui était la série. Autant là, avec la HBOisation, en effet, et avec la création des séries de prestige, et surtout avec le fait que les spectateurs finalement acceptent la série de prestige plutôt que la série pulp dont ils savent pas la valeur, etc. Donc du coup, qu'il y ait moins de séries totalement inattendues qui soient les séries attendues, mais que ça soit House of Cards, Game of Thrones, etc., etc. La grosse machine Westworld. Mais Westworld, typiquement, c'est la reprise en main par une organisation démiurgique de tout ce qui était anti-démiurge dans les séries. C'est-à-dire qu'on redit les personnages finalement sur nos créations. S'ils s'émancipent, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Le démiurge maléfique redevient un démiurge bienveillant. Le personnage d'Anthony Hopkins est celui du démiurge bienveillant. À travers Westworld, ce qui est dit, c'est que le système n'est pas contre notre émancipation. Il doit juste se débrouiller pour qu'elle se fasse bien. On n'est pas encore prêts, on est encore des enfants. C'est terriblement insidieux, Westworld. Enfin, oui. Le succès de Westworld, quelque part, m'a horripilé en disant mais c'est une machine parfaite par rapport au message, en effet, qui passe derrière. Oui. Le message, on vous le pointe du doigt et puis on vous le montre. Vous avez bien compris, là? Non, mais est-ce qu'on doit en rajouter un peu? C'est stabilo bossé au dernier degré. Non seulement Westworld fait la synthèse intellectuelle de tout ce qui a été perçu de la série toutes les années précédentes, se pose donc comme œuvre parfaite et conserve l'idée de l'émancipation, mais l'émancipation bien contrôlée. C'est-à-dire que c'est pas une émancipation sauvage avec un rapport direct non médiatisé de la créature à la divinité. Ça passe par la figure d'un artiste démiurgique. Anthony Hopkins, on lui remet son rôle. Alors il accepte de se faire tuer par sa créature, mais c'est sous ses conditions. C'est-à-dire que ça reste un père aimant et il a fait tout ça pour elle. Moi je dirais qu'une série comme celle-là, c'est limite si elle nous empêche pas de penser. L'absence totale d'humour dans Westworld. Ah bah oui, bah là, l'impossibilité de l'humour, en fait. Oui, non, mais c'est terrifiant d'ailleurs, ça, parce que... Ouais. L'impossibilité de l'humour de Westworld, qui est très différente de l'absence d'humour de la première saison de The Leftovers. La première saison de Leftovers avait un truc très... mais c'était plus l'état de catatonie dans lequel on se réveille par rapport au fait que... L'état de choc, du fait que la promesse de Lost n'aura peut-être pas lieu. C'est-à-dire, ou alors qu'elle ne s'adressait pas à nous. The Leftovers, c'est nous en tant qu'on n'est pas les élus de Lost. C'est vraiment The Leftovers, c'est voilà, ça. Bah, on n'a pas l'île. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment piaffer de joie? Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et ça ressemble même un peu à la première saison d'Angel, à ce niveau-là, au début d'Angel. Les saisons phase B, en fait. On avait Millennium pour X-Files, Angel pour Buffy et The Leftovers pour Lost. Et c'est la phase B dark du single avec une phase A ensoleillée et avec des trompettes. Leftovers faisait plutôt cette impression-là. Westworld, c'est très différent à ce niveau-là. Ouais. En fait, ça réussit, en termes de succès public, ce qu'avait complètement raté le premier produit de ce genre. Comment s'appelait-elle ? Flash Forward. Oui. Flash Forward fonctionnait comme une série synthèse de toutes les autres. Oui. Et elle avait été annoncée comme la série qui allait remplacer Lost, le nouveau Lost. Ah putain, dès le premier épisode, on a dit, bon, ça ne va peut-être pas le faire. Ça ne le fera pas. On a très bien compris toutes vos idées. Ouais. Et puis, on allait d'épisode en épisode, et c'était toujours un peu plus... c'est une série pas très inspirée, pour dire le moins. Mais là, c'est vrai qu'on sent justement l'incroyable importance aussi d'un showrunner avec ce côté mystique, on va dire, pour d'un côté Damon, et d'un côté d'avoir quelqu'un qui va pouvoir contenir quand même, parce que Carlton Cruise, il est quand même là pour éviter aussi que ça devienne trop, et on reste dans un cadre. Lindelof sans Cruise, on voit ce que c'est The Leftovers. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est une suite finalement d'extase et de dépression. Mmh. C'est-à-dire que c'est l'état oscillatoire d'un homme entre ciel et terre, et entre le doute et la foi, et entre tous ces trucs-là. Des choses qui étaient dans Lost, mais dans Lost, c'était en effet, c'était contenu, et c'était rationalisé, et c'était organisé, c'était rendu épique, comme ça. C'est-à-dire que c'est tout le temps ça. Dans Lost, finalement, la résolution a fait que tout était signe. Dans Leftovers, on se termine avec tout est doute. Dans Lost, l'équilibre Lindelof-Cuse rejouait déjà l'équilibre Lynch-Frost, de l'intuitif et du rationnel. Du désorganisé, de l'organisé, du mec qui veut pas d'explication, pas de réponse rationnelle, et du type qui blinde le récit pour qu'il soit le plus rationnel possible.
On va voir où va aller Lindelof aujourd'hui. Moi, Oui, ça va être intéressant. Tellement passionnant. Mais ce que je trouve intéressant et effrayant, c'est justement que les séries sont devenues un art sérieux. Oui, c'est un problème, ça. Et ça va être problématique Oui, parce ça que. l'est. Et je reconnais, comme tous les gens qui ont écrit sur les séries, ma part de responsabilité dans ce bordel. Pourquoi cette histoire de non-roi, c'est une réaction à Game of Sans roi. Thrones? Oui, sans roi. Non. Excusez-moi, oui. Non, mais. Je peux expliquer ça de façon très simple. C'est, je crois que vraiment, si je pouvais éviter d'utiliser le terme gnostique pour le restant de mes jours, je le ferais. Ce terme, il est maudit. Ce terme, il a été choisi par les chrétiens pour définir leurs ennemis. Oui. C'est pas une juste terminologie, c'est un terme péjoratif. Quand on dit de quelqu'un ou d'une œuvre finalement qui est gnostique, c'est pas lui faire honneur, parce que c'est dire que elle s'y croit. Elle croit qu'elle sait. C'est ça que ça veut dire. C'est les petits sachants, c'est les petits qui croient savoir. C'est des poufs-fous de leur gueule. Alors, comme je me retrouvais, pendant que j'écrivais ce livre-là, à avoir cette idée que, bon, je pourrais pas totalement éviter le terme gnostique parce que ce serait, comment dire, une coquetterie qui rendrait le tout incompréhensible. Je vais essayer de l'éviter au maximum. Et dès le début, j'ai décidé que j'allais l'utiliser le moins possible. Essentiellement, dans les citations, c'est-à-dire dans les textes qui parlaient d'eux, et forcément utiliser le terme gnostique, mais aussi, quand je parlais de la façon dont les chrétiens les percevaient. Mais sinon, je n'allais pas utiliser ça. Et je me suis dit, mais il faudrait quand même peut-être un terme pour pouvoir parler d'eux. Et eux, de toute façon, peut-être qu'ils avaient des termes pour se définir malgré tout. Et il se trouve que dans leur texte, même s'il ne s'agissait pas d'une personne, d'un groupe spécifiquement, mais en général, toute personne qui écoute la parole de Jésus dans les textes de Nag Hammadi, Jésus donne plusieurs noms à ses auditeurs. Il les appelle les hommes de l'autre monde. Il les appelle les étrangers, et il les appelle Abasileus Genea, qui signifie ou génération sans roi ou race sans roi. Génération sans roi, race sans roi. Bon, les sans rois, c'est les sans rois. En fait, ça renvoie à une autre phrase que dit Jésus dans un texte qui s'appelle Dialogue du Sauveur, qui est aussi dans le texte de Nag Hammadi, qui est je suis venu à vous comme un soutien et non comme un seigneur, je suis votre frère en secret. Donc à partir de ce moment-là, on comprend qu'il s'agit de personnes qui ne voient pas la divinité comme un seigneur, qui ne voient pas la divinité comme une autorité, qui ne voient pas la divinité comme hiérarchiquement supérieure à eux, et qui doivent penser à la divinité tout autrement, à l'envers de ça. Ça va avec tout ce qu'on a dit sur les séries jusqu'à présent. C'est complètement dans ce sens-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Victoire des 100 rois, je consacre une partie du texte aussi aux séries télévisées. Le livre a plein de portes d'entrée différentes, et chaque chapitre, de toute façon, est conçu quasiment comme une cellule autonome, quand bien même il tout communique, mais on a vraiment un chapitre pour Jésus, un chapitre pour Simon le magicien, un chapitre pour l'histoire des 100 rois, un chapitre pour les poètes maudits, il y a un chapitre pour la culture pop, ce que aussi je voudrais ne plus jamais avoir appelé la culture pop. Mais là, c'est nouveau pour moi. Mais ça, c'est vraiment des choses auxquelles j'arrive maintenant, mais comme je vois l'usage immodéré qui est fait de pop finalement pour définir des choses qui créent de nouveau de la hiérarchie. Comme ce n'est pas des hiérarchies qui se jouent dans les mêmes termes que la culture académique, on est exactement dans le même type de relation qu'entre royauté et capitalisme. On est passé d'une hiérarchie à quelque chose qui se vérifie en termes de succès. Bien sûr que le pop s'est toujours vérifié en termes de succès, sauf que ce n'est pas ça qui comptait dans le geste lui-même. Les grandes figures de ce qu'on a appelé la pop ne se sont pas distingués uniquement par le fait qu'ils marchaient, par le fait qu'ils préféraient faire quelque chose que simplement marcher, comme les Beatles. À un moment, ils préfèrent faire autre chose que ce qu'ils font, quand bien même ça marcherait moins, parce que ce qu'ils ont à dire est trop important. C'est plutôt le retrait d'un simple succès public qui caractérise l'importance du geste des artistes de ce genre. C'est-à-dire, ils peuvent avoir le plus grand succès du monde, ils préfèrent faire autre chose. Oui, c'est ça qui est bien, c'est C'est ça. d'utiliser. J'ai une large audience, Oui, maintenant c'est ça. je peux faire. Parce que Oui. voilà, suivra ou suivra pas, mais en tout cas. Oui. Et ce que dit Jésus dans l'évangile de Thomas, c'est quasiment ça, c'est il dit que celui qui a la puissance, que celui-là puisse renoncer. Parce que finalement, renoncer à la puissance quand on l'a pas, je dirais pas que c'est donné à tout le monde, enfin, grosso modo, la question se pose pas. C'est ça qui est en jeu. Et à partir du moment où finalement, aujourd'hui, on parle de culture pop, c'est aussi dérangeant, je dirais, que la question de gnosticisme, c'est ça qui fait que c'est complexe et que, en écrivant La Victoire des 100 rois, j'ai voulu écrire un livre en hommage à tous ces hommes qui ont été appelés gnostiques et aussi à la perpétuation de leurs idées chez des hommes qui n'ont même pas idée de ce que c'était que ce domaine. Et avant tout, essayer de voir comment la parole de Jésus a été bien plus
clairement continuer, perpétuer, exécuter en dehors de son fan club officiel, qui est le christianisme. Voilà. Siège social. Voilà, siège social, voilà. C'est ça l'idée. C'était de dire, OK. Et pour moi, ça renvoyait aussi à comment sauver la part vivifiante d'une œuvre de tout ce qui pourrait la tuer, en fait, à force d'admiration. Et c'est très complexe, surtout avec une mentalité de fan comme la mienne, qui est grosso modo, je peux faire par rapport à Zappa ou par rapport à Lynch exactement comme un chrétien par rapport à Jésus. C'est le risque permanent. Et c'est exactement ce que m'ont appris, Tex de Nagamadi m'a appris Jésus de ne pas faire. Voilà. Je parle comme un reborn quand je dis ça. D'ailleurs, je parle pas de Jésus comme un Jésus reborn. Heureusement qu'il me protège, etc., etc. Mais vraiment comme quelqu'un qui avait une parole. Quelqu'un dont on écoute la parole. C'est ça qui me semble le plus important. Et le livre de La victoire des 100 rois, quoi, essaye, à partir d'aujourd'hui, de relire cette ligne de l'histoire. Les textes de Nagamadi restent encore complètement à lire. C'est anormal qu'il y ait eu si peu de lecture. C'est anormal qu'il y ait eu si peu. Dis en deux mots, quoi. C'est les textes qui ont été retrouvés dans le désert égyptien en 1945. C'est 1000 pages. C'est l'équivalent d'une Bible en soi. C'est 44 textes. C'est peu diffusé en France. Très peu, et il a fallu attendre 60 ans pour avoir une première édition complète. Il y a 10 ans, il y a eu une pléiade. Et elle est vraiment pas bien, cette pléiade. Pardon. Comme ils ont pris 44 traducteurs pour les 44 textes, quasiment, je ne plaisante pas, c'est probablement un truc pour voir les choses au rabais. Donc, en fait, c'est une édition cheap, l'édition pléiade des textes gnostiques. C'est une édition bâclée et cheap. On ne peut pas la considérer comme autre chose. Il n'y a pas de continuité dans ça. Là, je suis en train de travailler sur le personnage de Marie de Magdala. Alors, Marie de Magdala, elle a 5 noms différents pour les 5 fois où elle apparaît dedans. Non seulement ça, mais dans l'index, elle est répertoriée aux 5 noms différents. D'accord. Donc, il n'y a eu aucun travail d'unité. On est face à un truc qui s'appelle la Pléiade, qui est supposé être le sommet de ce que l'édition peut faire. Le truc genre l'édition ultime et absolue. Et leur livre sur les gnostiques, c'est juste une usine à gaz. Désolé, quoi, mais l'édition de l'Université de Montréal, dans des volumes cheap, en jaune, avec André Vautier, a plus d'unité et a plus de sens. Donc, c'est un gros souci. Il y a un truc à démarrer, qui va être dur à démarrer. Ça fait 60 ans. S'il y a vraiment eu des grands livres qui ont été écrits sur ces textes-là, il y a eu le livre d'Hélène Pagel, sur les évangiles secrets. Il y a eu le livre de Simone Pétrement, Le Dieu séparé. Il y a eu les cours d'Henri-Charles Puech, Enquête de Gnose. Et il y en a eu un certain nombre d'autres qui... Même si c'est des livres qui me touchent moins, je respecte tous parce que c'est tous des défricheurs. Et il y a eu vraiment, évidemment, la façon dont certains artistes s'en sont emparés, que ce soit Dick, Lennon, Bowie, etc. Le travail d'essayer de comprendre ce que ces textes essayent de nous dire, c'est-à-dire les faire travailler, vraiment les faire parler, on est encore au début. En gros, soit je disparais de la surface de cette terre parce que it is my time, soit j'en ai pour le restant de mes jours. Avec d'autres choses, mais le travail qui a été commencé avec les 100 rois doit être continué. Donc, même si j'écris un texte sur, mettons, Shakespeare, ou sur Jacques Rivette, ou sur Supernatural, ça sera encore un texte qui va me permettre d'explorer des choses que je n'ai pas encore explorées dans les textes de Nagamadi. C'est une belle quête. Alors, un homme doit avoir une quête. Oui. On va conclure avec ça. Voilà. Très bien.